petit moment de détente au bord de l'eau. Allez, cette édition, j'espère que tu vas bien. Allez, on part directement faire la mission principale. On va aller voir Otto. Même les hommes tôt, dans son labo. On va TP directement sur la mission. On ira plus vite. Quelqu'un ? Parker ! Tu arrives juste à temps pour trinquer. Trinquer ? Attendez. Où sont les bras ? Oh, wow ! Trop cool ! Mais comment vous... Réseau neural intracrânien. La neurotransmission se fait en moins d'une nanoseconde. Plus rapide que les signaux dans le cerveau. Et ne parlons pas des prothèses externes. On a réussi, Peter. Personne ne pourra nous enlever ça. Incroyable. Oh. Tout ça grâce à toi et à ton travail sur le réseau neural. Mais on l'a même pas encore testé. Il reste des choses à éclaircir et... Tout marche à merveille. Tiens, regarde ça. Impressionnant. Hein ? Mais il y a une petite erreur. Pic de voltage. Ça se corrige facilement. Les activités sont toujours identiques. Je pense qu'ils auraient pu... un petit peu se diversifier, parce que là c'est très simple, il faut relier un point A à un point B avec des objets. Ouais, ils auraient pu faire d'autres trucs parce qu'au final c'est toujours la même chose. Bon là c'est très simple hein. Maintenant il faut que l'attention, une fois que c'est relié, c'est facile hein. Il faut que l'attention elle soit identique. On va voir si ça marche. Allez, le premier termine. Non, c'est pire que ce que je croyais. Vu que ça l'est stabilisé. Ah, le pic fait une cascade. Je sais pas si je peux arranger ça.
c'est pas bon. Docteur ? Docteur, j'ai trouvé un problème potentiel. Il y a toujours des problèmes quand on cherche rien. Mais la chance sourit toujours aux plus audacieux. Il est temps d'annoncer la nouvelle au monde entier. Otto, le réseau neuronal n'isole pas vos neurones moteurs. Il pourrait affecter d'autres parties de votre cerveau. Vos inhibitions, votre humeur. Je pense qu'il faut faire d'autres tests. On a fait assez de tests ! Pour la première fois de ma vie, je ne me sens pas minable. Je me sens moi-même. Otto, vous n'êtes pas minable. Mais les risques pour votre esprit sont importants. S'il vous plaît. D'accord. D'accord. Ne vous en faites pas. On y est presque. Je vais continuer. Éliminez les bugs. Allez. Pars. Vous êtes sûr que ça va ? Oui. Merci, Peter. Merci. Pour tout. Nous sommes en direct de la gare de Grande Centrale où le maire Osborne s'apprête à faire une déclaration à la presse. Martin Lee est derrière les barreaux à présent. Quand je fais une promesse à cette ville, je la tiens. Les habitants de New York vont bientôt devoir faire un choix qui pourrait bien définitivement changer leur vie. Au moment de glisser votre vote dans l'urne, souvenez-vous de mes actes. La ville est aujourd'hui plus sûre qu'elle ne l'a jamais été. Menteur ! Tu n'imagines même pas ce qui t'attend. Cette mission fut très courte. Je vais prendre des nouvelles de Miles. Hey Pete ! Salut Miles ! Je voulais savoir comment ça allait, par rapport à Martin Lee. Écoute, si t'as plus envie de bosser là-bas, moi et Tante May, on comprendra. J'ai failli me barrer quand j'ai appris la nouvelle. Et puis, je me suis rappelé ce que mon père disait. Un héros, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. C'est vrai ! Du moins, s'il mène le bon combat. C'est moi qui t'ai trouvé ce boulot. Ça me ferait de la peine que tu continues si ça te convient pas. Les gens ici, ils sont pas responsables de ce qu'a fait Martin Lee. Ils ont besoin d'aide, et moi je les aide. Je crois que mon père m'aurait dit de rester. Je crois qu'il serait fier. Il le serait sûrement. Et Miles, moi aussi je suis fier de toi. Si tu veux parler, hésite pas. Appelle. Merci Pete, je dois y aller. Tante May m'a filé une liste de fournitures à acheter. À plus. Allez, je te propose de continuer la mission principale. On va pas s'arrêter en si bon chemin, ça fait que 10 minutes. Allez, je TP directement au point d'à côté pour gagner du temps. Félicitations, capitaine. Vous avez eu le poseur de bombes. On l'a eu. C'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous vous tuez à la tâche ces temps-ci. Vous devriez prendre des vacances. Je suis pas une grande voyageuse. Mais quand on aura bouclé tous les hommes de Lee, je ferai peut-être une pause. Pas d'avion, pas de valise. Juste moi et mon Lee. Vous êtes une vraie fêtarde. Mais bon, si c'est ce qui vous fait envie, vous l'avez bien mérité. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse les missions annexes et les missions du DLC. Dans tous les cas, je fais ces missions. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te les partage. Allez, on va retrouver Tante May, elle va nous couper des carottes. Peter. Ça va ? Tout va bien ? Je me débrouille. Honnêtement, ça me plaît pas trop de te voir gérer ce centre toute seule. Ces gens ont besoin d'aide. Si ça doit me coûter un peu de sommeil, eh bien tant pis. Et tu as eu des nouvelles de Monsieur Lee depuis... Non. Mais le Martin que je connais n'aurait jamais fait ça.
Quoi qu'il lui soit arrivé, ce n'est pas l'image que je veux garder de lui. Bref. Comment ça va avec MJ? C'est compliqué. L'honnêteté, c'est ce qui nous a sorti des mauvais passes, Ben et moi. Vous avez eu des mauvais passes? Oh, bien sûr. Surtout quand on avait ton âge. Alors, es-tu honnête avec elle? Sait-elle vraiment qui tu es? Hé hey, monte le son! Je vais écouter ça! Un porte-parole de la police a confirmé que le camion était celui qui transportait le dispositif utilisé dans l'attaque de la gare de Grande Centrale. Oh, quand est-ce que ça va finir? Peter? Capitaine Watanabe, laissez-moi un message. Yuri, où êtes-vous? Rappelez-moi dès que vous pouvez. Pourvu que le souffle du diable soit encore là-bas, et à l'abri. Si les démons ont trouvé le camion, ça va prendre des dimensions cataclysmiques. Allez, on continue l'aventure avec la mission principale, parce qu'au final, on avait déjà fait deux missions en 13 minutes. C'est vrai qu'à chaque fois que je découvre Manhattan de nuit, franchement, c'est vraiment magnifique. Alors, je pense que dans Miles Morales, ça va être encore plus beau. D'ailleurs, Miles Morales va arriver prochainement sur la chaîne. Donc là, je vais partir en vacances aujourd'hui. Le jour où j'enregistre, c'est le 19 décembre. Je vais partir le 22 en vacances. Donc ça devrait arriver début d'année. Début d'année, allez, on va dire la première semaine de janvier. Allez, arrête de parler. Le souffle du diable a disparu, mais on a des problèmes plus graves. Riker ? Il faut qu'on se dépêche, grimpez ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance? Ai-je vraiment le choix? Oh non! Fallait mettre ta ceinture! Ah mais ça devient Bagdad en ville. Les prisonniers sont sortis. Et lui ou nous? On se le fait. À tous les détenus, regagnez vos cellules. Je répète, regagnez vos cellules. C'est notre dernier avertissement. J'ai l'impression que votre plan d'évasion a quelques lacunes. Gentiment vos cellules, on fermera les yeux sur ce qui s'est passé. Super, j'envoie encore quelques-uns dans la cour. Qui a eu l'idée géniale de ranger des lance-roquettes dans une prison? Ici le sergent Hudson, répondez, y a quelqu'un sur ce canal? Ici le capitaine Watanabe, où êtes-vous? Au panneau d'accès électrique.
sur le toit, près du bloc D. J'essaye de rétablir le courant. C'est vous dans l'hélico ? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée. Il y a eu une panne de courant. C'est le choc qui est parti en vrille. Tenez bon, on vient vous chercher le plus vite possible. Mais quel est le corps qui a un jeu dans sa tête, du bon coup. Et même des armes. Vous laissez pas le stationner. Essaye d'esquiver. Il faut faire ci, il faut faire ça. Allez, on va sur le toit. Quelqu'un est piégé derrière cette porte. Ils arrivent. Où est la sécurité? Ils s'en prennent à ma voiture. Aidez le directeur. Moi je regarde si je peux rétablir le courant. Ouais, pas de problème. Toujours faire pire. Je vous prie. Ok, tout a l'air à peu près en ordre par ici. M'avez pas dit que le rat ne craignait rien? Plus maintenant. Allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention! Je glisse! Tenez bon!
Ça va ? Oui. Soyez les bienvenus à la fête ! Juste à temps pour le grand feu d'artifice ! Liberté conditionnelle, les gars ! Trop ? Pourquoi il fait sortir tout le monde ? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok. Je m'incruste à la fête. Alors, vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière vous, d'accord ? S'il vous plaît. Maintenant, c'est les gros méchants qui sont libérés. Eh ben, on va avoir du travail. Dans une prison avec tous les criminels. C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute. Je suis en train de parler au téléphone. C'est pour le boulot. Saka, mettez la tête crâne. Ça a coupé quelques secondes. Vous allez bien? Non, pas vraiment. Electro, Rhino et maintenant Scorpion sont en liberté. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison ? La vidéo de surveillance est presque rétablie. Je vous fais un point très bientôt. Ok, je continue à poursuivre Electro. Wow ! Allez, Spider-Man ! On est dans une course poursuite ! Bah, c'est vraiment bien fait les éclairs. Allez, course poursuite avec Electro. Ça va être fun. Ça, j'adore cette première fois. Il peut pas m'arrêter. Mais ça me touche que tu te donnes du mal. Si tu me dis pour qui tu travailles, j'irai doucement, promis. Ah, il est rapide en plus, hein. Donc, il maîtrise l'éclair et en plus il est super rapide. Je me fais toujours rembarrer quand je propose ça. Oh, oh, je te tiens. Oh, fais le dur. Ça faisait un bail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Désolé, pas le temps de causer. Ben Spidey, il est vraiment dans une merde. Ok, j'ai rétabli le système de vidéosurveillance. Ça donne quoi ? Eh bien, on dirait que toute la population du Raft s'est fait la belle. Y compris Martin Lee. Ça nous fait donc 5 de vos ennemis mortels qui sont désormais dans la nature. Ah ! Pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Je suis très sérieuse. Ok, il y en a qui prennent la direction de la ville. C'est la crise. Non ! Non ! Bon, on a 6 ennemis contre Spider-Man.
Comment tu trouves mon nouveau costume ? Très classe. Où tu l'as eu ? Je suis membre d'un club. Bonne idée! On n'est même pas obligé de se battre, hein, si vous voulez pas! Oh, mais on emmerde en vie! Oh Dernier avertissement. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez! Toutes ces années, tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Mais, tout va bien ? Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place ? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité. Par Sable International, qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborne a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie, avant de le qualifier de fugitif. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborne assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! ...sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations.
Comment ça a pu arriver? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfui. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de Sable. Ils vous ont catalogué comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Je suis là pour vous aider. Parfait. Des prisonniers en fuite se regroupent pour prendre le contrôle de quartiers entiers. Tout piller, menacer les résidents, et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose ? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ah, et de la torture, quoi. Ne vous en faites pas. Je m'en charge. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. Super. Mes hommes sont sur les traces des super-vilains. Je vous tiendrai au courant de nos avancées. Pour l'instant, tâchez de stabiliser la ville. Terminer des avant-postes de Sable et des camps de prisonniers pour gagner des jetons de base. Bon, bah c'est comme pour Fist. Écoutez, les amis, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. C'est un plaisir de partager cette mission avec vous. En tout cas, un grand merci pour vos likes, pour vos abonnements et vos gros pouces bleus en bas de la vidéo. Ça fait énormément plaisir. La communauté s'agrandit chaque jour. En tout cas, merci à vous. Allez, enjoy !